Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouveau live Facebook. J'espère que tout le monde va bien. Et on va commencer, j'espère, avec des gens nouveaux aussi, hein, bien évidemment. Des gens qui n'ont jamais participé. Et on va commencer avec bonsoir Stéphanie, bonsoir Mylène, bonsoir tout le monde. Bonsoir Stéphanie, comment allez-vous? Alors, il y a une personne là qui va venir. Alors, je pense qu'on ne sera pas méga nombreux parce que c'est les vacances et... peu de gens ont répondu présent, mais bon, on va rester entre nous, sans souci, et on va essayer de passer 30 minutes, plutôt agréable et plutôt sympathique. Bonsoir Déborah. Bonsoir Vénus. C'est la première fois, Vénus, que vous êtes sur ce live, je crois. Alors, on commence avec qui? Parce que vous savez que le temps est compté. Ah, ben c'est super si vous répondez toujours présente, Stéphanie. Alors, qui souhaite ouvrir les festivités et souhaitez-vous plutôt une voyance en vidéo, c'est-à-dire vous-même vous mettez votre vidéo en marche, qui est mieux, honnêtement, ou est-ce que vous souhaitez une consultation avec une réponse, enfin évidemment moi, vocale, et vous par écrit? Ah, ben c'est gentil, Déborah. On se connaît. Bah écoutez, bienvenue à nouveau alors, Vénus. On commence par qui? Ne soyez pas timide. Eh bien alors, on y va, Déborah. Vidéo ou face to face en vidéo? Ou moi en vidéo seulement et vous en écrit? Alors, on va commencer par Déborah et ce sera Stéphanie qui se prendra la relève. Et Vénus en troisième. Voilà, déjà on a un bon programme. Alors je note cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. On a Déborah, et je note pour de vrai, comme vous pouvez voir sur mon bloc, hein. Stéphanie et Vénus, donnez-moi votre vrai prénom, avant que ce soit Vénus, peut-être. On va voir. Ce serait quand même pas mal si vous appeliez Vénus. Moi seulement, c'est-à-dire... Je ne peux pas faire une voyance uniquement sans être... Non, techniquement, c'est pas possible, Déborah. Si on est seulement vous et moi, c'est en consultation privée dans ces cas-là. Mais pendant le live Facebook, c'est en public, automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est OK pour vous, Déborah, avec effectivement le live Facebook? Ou vous souhaitez pas simplement faire ce live et que les autres vous voient. Ah oui, moi en vidéo, ok. Parce que je vous rappelle pour la xème fois qu'il y a un décalage de malade entre quand je parle là en live et que vous me voyez et qu'effectivement il y a la réponse qui me vient de votre part. D'ailleurs, vous devez le voir. Enfin, quand je filme, moi je me vois dans l'écran avec au moins les 5-6 secondes de latence. Il n'y a aucun souci. Alors, Déborah, la question, la date de naissance et 5 nombres, s'il vous plaît, entre 1 et 22. On va écouter Déborah avec sa question, voir ce qu'elle souhaite, Déborah, ce qu'elle souhaite savoir. Alors, Déborah, Déborah, 5 nombres entre 1 et 22, la question, la date de naissance, et je vais vous répondre, Déborah. On va voir un peu ce que vous souhaitez savoir. Ok, alors 3, 7, 5, 13 et 17. Et votre question, Déborah, c'est quoi?
Bonsoir Claire. Ok, alors je vais commencer le tirage pour ne pas perdre de temps et vous allez me donner le prénom de la personne concernée, s'il vous plaît. L'homme de cœur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. Pour le moment, Déborah, déjà ce que je ressors, c'est quelqu'un qui me semble un petit peu replié sur lui-même. Hein? C'est-à-dire qu'effectivement, cet homme, je le sens aujourd'hui dans un blocage, dans une situation où, pour ma part, il n'est pas impliqué. Dans sa vie, d'ailleurs, de façon assez générale, c'est quelqu'un qui est en repli sur soi. Voilà, Jean-François. Bah, c'est encore mieux. Voilà, on a Jean-François. C'est plus simple, quand même, d'avoir les prénoms. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se replie et c'est quelqu'un qui effectivement n'est pas dans une énergie très constructive, même pour lui-même, je dirais, dans ses choix, dans ses motivations, dans ce qu'il a envie. J'ai plutôt quelqu'un qui est pas très expressif, pas très impliqué, pas très tout court. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est exact? Ok. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression même qu'il se perd, Déborah, dans pas mal de conneries. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui a tendance un petit peu à faire des choses qui sont pas terribles, hein. En plus, il a envie de tout envoyer balader, le travail, voire déménager. Enfin, il a envie de changer de vie. Alors qu'évidemment, techniquement, aujourd'hui, ça me semble un peu compliqué. Et puis, je ne crois pas que ce soit en changeant de vie qu'il réglera ses problèmes, pour être honnête. Et c'est pourtant sur quoi lui, aujourd'hui, se positionne. C'est ça? Donc, on faisait d'abord un tour général un petit peu, Déborah, sur ce qu'il est lui et ce qui se passe dans sa tête. C'est pas terrible, hein, aujourd'hui, hein. En plus, à la tête, j'ai la lune. Donc, beaucoup de choses qui sont très down, sur quoi il se projette très bas. Enfin, bon, j'ai quand même des énergies qui sont pas géniales, pour être honnête. Des énergies noires, voilà. Des énergies pas productives. C'est exact. Enfin, c'est ce qu'il dit, qu'il veut aucun point d'attache et qu'il n'en a aucun. Mais enfin, dans la réalité, je suis pas sûr, Déborah, que ce soit vraiment ça. Moi, j'ai plutôt quelqu'un aujourd'hui qui est dans une situation où c'est pas ce qu'il veut. Donc, en général, quand on ne sait pas ce qu'on veut, on prend la fuite. On n'est pas capable de je dirais, se positionner réellement dans sa vie. Donc, évidemment, dans la vie affective, carrément, on nage en plein délire, on oublie. Mais si, je pense qu'au contraire, il a besoin de points d'attache, mais qu'il n'assume pas. Nous sommes d'accord. Donc, on va regarder l'évolution de votre histoire, hein, avec lui, d'accord, Déborah? Mais là, dans la situation présente, sur son état d'esprit, pour moi, c'est pas bon, hein. Situation d'aujourd'hui, elle est pas terrible, hein. Allez. Bah, il fuit parce qu'il a peur de lui-même. Il fuit parce qu'il n'est pas à l'aise avec lui-même. Voilà pourquoi il fuit. Il fuit pas parce qu'il a envie de vous fuir et qu'il vous aime pas. Il fuit sa vie. Donc, c'est jamais bon quand on fuit sa vie. Allez, Déborah, vous me redonnez 5 cartes. 5 fois, pardon, 5 stops, non, parce que je ne vous entends pas. 5 fois. 5 cartes, on va y arriver. Entre 1 et 22, je vous écoute. Enfin, je vous lis, plus exactement. Et la prochaine fois, vous mettez votre caméra. Hein. Peut être sympa quand même de vous voir aussi. Allez, je regarde sur mon écran de contrôle ce qui se passe. Avec pour vous répondre, et ensuite ce sera au tour de Stéphanie de à qui je vais répondre. Alors, Déborah, pour l'évolution de votre histoire. Bon, pour moi, il y a une évolution positive, mais il faut que vous acceptiez son comportement. Je pense, Déborah, que tant que vous ne serez pas dans une énergie où vous lâcherez prise, si vous essayez de le changer, vous n'y arriverez pas et vous serez amené à aller vers un échec.
Oui, ses sentiments sont sincères, j'ai des choses positives, mais il a besoin de briller parce que je crois que c'est un manque de confiance totale en lui. Laissez-le croire, après tout, c'est pas très méchant. Pour moi, dans ce cas de figure-là, vous arriverez à quelque chose ensemble, vous arriverez à une construction. Donc oui, ses sentiments sont sincères, Déborah. Si c'était votre question, ma réponse est oui. Ok? Allez, je vous embrasse, vous me tenez au courant et on va passer à Stéphanie. Stéphanie, bonsoir. Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Stéphanie, est-ce que vous pouvez me donner 5 nombres entre 1 et 22, votre date de naissance? Et ben voilà, tout ça est allé plus vite que moi, c'est encore mieux. Top. Alors, pour ma fille Jade, le 4 mars 2015, qui a eu sa première année d'école difficile, car elle a eu des difficultés niveau langage, est-ce que sa deuxième année se passera mieux, surtout avec sa maîtresse? Alors, Stéphanie, pas besoin de mettre votre vidéo, enfin votre caméra, parce que ça concerne votre fille. Alors, la date de naissance de votre fille, c'est quoi? C'est le 4 mars 2015, donc votre fille, elle a 4 ans, c'est ça? Voilà, ok. Donc votre fille a effectivement 4 ans. Ou 5, 4 ans ou 5 ans. Ok. Pour moi, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau scolaire, à l'école, là, est-ce que c'est un homme qui est son maître? Est-ce que c'est quelqu'un qui a en charge votre fille? Est-ce que c'est un homme? Parce que moi, j'ai un jeune homme, enfin j'ai quelqu'un qui est plutôt de sexe masculin et pas de sexe féminin. Est-ce que c'est exact? Parce que cette personne va lui permettre de faire évoluer tout ça. Et ben alors, tant que c'est une femme, pour moi, c'est pas bon. J'ai l'impression, voyez, cette femme ressort là, j'ai la papesse. C'est quelqu'un qui me semble assez rigide et je pense que pour votre fille, c'est pas du tout ce qu'il lui faut. Là, moi, j'avais en première carte le battleur, ce qui représente le jeune homme, hein, donc entre 20 et 30, 35 ans, on va dire. Quelqu'un qui, pour moi, serait complètement à la hauteur. Donc, peut-être que ce que je ressens, parce que là, en fait, elle n'est plus à l'école aujourd'hui, puisque nous sommes au mois de juillet. Donc, pour la rentrée. Est-ce que vous savez s'il sera un maître ou une maîtresse? Parce que peut-être que c'est ça que je perçois, moi. Il y aura un homme qui interviendra, puisque je l'ai ressorti. Donc pour moi, j'ai également le soleil et la tempérance à la tête. Donc on trouve un équilibre, hein, ça c'est sûr et certain. Donc ça va s'arranger. Mais il y aura l'intervention d'un homme. Et c'est vrai que ça aurait été mieux, je pense. Effectivement, avec Elodie, ce sera moyen, je ne vais pas vous mentir, mais il y aura cette assistance, voilà, ça sera peut-être plus comme une assistance de la part de cet homme, et ce sera quelque chose qui va amener du positif pour votre fille. Mais c'est très important, je pense que cet homme jouera un rôle important pour l'équilibre de votre fille. Donc pour moi, il y a du positif, il y a vraiment du positif. Donc Stéphanie, ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai le soleil hein, en synthèse. Donc pour moi, elle va rattraper son retard. Oui, pour moi, elle va rattraper son retard. Ok? Vous me tenez au courant? Donc ne stressez pas. De toute façon, vous serez en contact avec ce jeune homme hein, dont je vous parle. Donc ne vous inquiétez pas, no stress. Vous aurez cette information assez rapidement. Hein. Voilà, c'est quelque chose dont vous aurez connaissance assez rapidement. Ok? Donc, il n'y a pas à paniquer par rapport à ça. Vous aurez l'info. Ben, j'imagine que ça vous stresse, mais il faut pas. C'est quelque chose qui ne doit pas vous stresser. Parce que pour moi, ça se fait. Donc, voilà. Ok? Allez, je vous en prie, à très vite. On passe maintenant à Vénus. Est-ce que Vénus, vous êtes ici? Vénus.
Est-ce que vous êtes encore là, Vénus? Parce que vous étiez OK, Vénus, pour qu'on fasse une vidéo en plus, carrément avec un échange, c'est-à-dire que je puisse vous voir. Est-ce que vous êtes là, Vénus? Vénus, est-ce que Vénus est toujours là? Super. Alors Vénus, vous mettez... Alors comment on fait? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment on fait? Ah, attendez. Je fais une manip, hein. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment on rajoute quelqu'un? Je l'ai fait l'autre fois. Et je ne sais plus. Alors là, c'est la cata, parce que là, j'ai... Me revoilà. Alors oui, alors ok. C'est bon, mais hyper fan de Facebook. Enfin, je suis pas hyper perfectionné dans Facebook. Alors voilà, merci beaucoup. Normalement, les doubles... Ah ouais, alors attendez, est-ce que je suis complètement paumé avec ce truc? Ah bah voilà, super. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, en fait, Oui, très bien, merci. Vous Alors, quel est votre prénom, m'entendez s'il bien? vous plaît? Votre prénom. Laetitia. Ah, voilà. Je n'étais pas sûr que c'était Vénus. Donc, bonsoir Laetitia. Vous donnez votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 28 février 72. OK. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qu'on regarde ensemble? Alors, en fait, j'aimerais que vous regardiez l'état d'esprit de Gorian. On en a déjà parlé. Oui, ça Qui est né pose. le 21 septembre 80, et je n'ai toujours pas de nouvelles de sa part. Il est en mode silence radio depuis quelque temps et j'aimerais essayer de savoir un peu où on en est là. Ok, alors vous allez du coup me dire stop 5 fois et pas me donner 5 cas, puisque je vous ai carrément, je vous entends. Donc c'est l'avantage. Allez, je mélange Laetitia. On regarde son état d'esprit. Je coupe d'abord. Oui, c'est assez la cata aujourd'hui, hein. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Mais j'ai la maison Dieu, donc il s'éloigne actuellement. Je n'ai pas dit que c'était définitif, mais son état d'esprit aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, j'en vois tout valser et je m'éloigne. C'est vraiment ça que je ressens. Ça fait depuis combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles de lui? 12 juin, un mois. Ça fait un mois, quoi. Ok. Ouais. Allez, je vous écoute. Stop 5 fois. Stop. 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 Et stop. Voilà, j'ai les 5. Bon, il va revenir en force, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'il est en train de régler des choses, Laetitia. Il y a des choses, encore une fois, pour moi, qui me semblent un peu troubles le concernant. Des choses que je ne sens pas totalement réglées dans sa vie. J'ai des complications. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il ne vous dit pas non plus. Alors, pas d'inquiétude non plus, hein, c'est pas. Voilà, mais bon, j'ai la lune à la tête. Hein. Donc, c'est les choses cachées, hein, les choses qui ne sont pas exprimées, en tout cas. Ça peut être aussi ce qu'il ressent au fond de lui-même. Mais bon. Moi, dans mon senti, avec l'ermite en réponse, c'est plutôt des choses qui le concernent lui et qui ne sont pas certainement au top, si vous voulez. Donc, pour moi, vous avez des nouvelles que je situerai grand max d'ici une quinzaine de jours encore, hein, mais il revient un peu en force. Alors, c'est-à-dire, Ouais. sentiment, alors c'est peut-être pas bon non plus, parce que moi, j'ai quelqu'un qui revient un petit peu confiant, peut-être trop confiant en lui, et du coup, bon, non, non. C'est pas possible qu'au bout de tant de semaines de silence, vous puissiez fermer les yeux et dire, bon bah alors tout va bien, t'inquiète pas mon chéri, c'est pas grave. Si, c'était grave. Donc il revient pour moi avant le 15 août, on va se donner le 15 août comme date. Il revient Ouais. avant le 15 août. D'accord. Bon, mais on est toujours sur du constructif, comme vous m'avez dit derrière. On a du constructif, oui, mais en mettant aussi les choses à plat, c'est-à-dire qu'il y a du constructif, Voilà. parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il est très en vie. De vouloir mettre les choses à plat et d'être aussi, je dirais, direct et aussi franc par rapport à ce qu'il a à l'intérieur, notamment la lune qui nous ressortait à la tête. Il n'a pas envie de se dévoiler en quelque sorte et c'est tellement nécessaire pour repartir sur de bonnes bases qu'il n'y a pas le choix et vous ne devez pas céder. Eh Je oui, tout à trouve. fait. OK? D'accord. Mais bon, oui, OK. pour moi, vous repartez, vous avez quand même en synthèse l'étoile.
Donc ça nous Ouais. confirme bien, mais on voit le long parcours encore à faire. Ça n'est pas une relation qui redémarre au 15 août, dans le sens, je veux dire, parfaite. On a juste une D'accord. reprise de contact. Progressivement, on va vers autre chose de mieux, mais ça va être quand même lent. Ouais, d'accord. OK. OK? Allez. Très bien. Merci, Au Julien. revoir. À bientôt. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Bonsoir. Alors, en fait. Je vous laisse éteindre. Voilà. Je cherche. Je ne Comment on pourrais fait? pas vous aider parce que je suis nul en Facebook total. Alors, je vous vois encore. Je pense qu'il faut appuyer sur terminer. Ah ben voilà. On l'a perdu. Alors, ben c'est pas mal ça, finalement. C'est drôle en plus. Bon, allez, plus sérieusement, qui est la prochaine personne? J'aimerais bien une personne aussi en vidéo, si c'est possible. Si c'est possible, bien sûr, hein. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de passer en vidéo? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus précis et beaucoup plus interactif. Ça a beaucoup de beaucoup, cette histoire. Qui est avec nous? À l'instant. Mélanie. Oui, bonsoir Mélanie. Alors, tu mets ta caméra? Eh ben alors, on y va. Je te laisse appuyer sur le bouton et faire les trucs parce que moi, je ne sais pas du tout comment on fait. Voilà. Et après, ce sera clair. Oui, c'est mieux en vidéo. Très honnêtement, déjà, de vous donner vous les cartes. Quand vous dites les stops, comme en consultation, quand moi, j'ai mes consultants faire une partie de votre vidéo. Alors, OK, autorisé. Comme j'ai les consultants au téléphone en consultation privée. Donc, effectivement, c'est beaucoup mieux. Et puis c'est plus sympa, surtout. Et je vous rappelle qu'à 20 h pile, je reprends mes consultations en privé pour celles et ceux qui n'auront pas eu la chance de pouvoir passer en direct sur ce live avec moi. Sachez que votre première consulte, votre premier appel, il y a moins 50% avec le code promo qui est indiqué sur le site pur-medium.com. Voilà, on va y arriver. Alors, Mélanie, on a l'impression qu'elle a du mal avec sa vidéo. Ça n'a pas l'air de fonctionner, Mélanie. Après, ce sera clair, hein. Claire, je vous garde au chaud. Je vous promets, je vous note sur mon bloc. C'est vous qui serez la prochaine, c'est promis. Alors, est-ce que Mélanie... Mélanie, Mélanie... Est-ce que Mélanie est là? Mélanie, Mélanie, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, on va arrêter avec Mélanie pour pas perdre de temps et je vais prendre Claire. Claire, est-ce que vous êtes là, Claire? Est-ce que vous m'entendez? Claire, vous souhaitez passer en vidéo aussi? C'est ça? Ok. Vous souhaitez mettre la vidéo en marche ou pas? Que je sache. Alors on y va, Claire. Vous savez faire le truc pour pouvoir me lancer l'invitation de vidéo? Ah ben voilà, alors Claire, c'est génial ça. J'ai que des consultants sympas ce soir. Qui ont envie de participer, ça fait plaisir. Alors, ça a plus l'air de marcher ce truc de vidéo, par contre, bizarrement. J'ai à cliquer sur oui. Est-ce que vous avez un message, Claire, qui confirme? Mais j'ai l'impression, Mélanie, que ça marche plus. Ça me dit l'invité a refusé de participer à la vidéo en direct. Alors Claire, vous me relancez pour voir, sinon je vais vous le faire en écrit. Alors je vais faire vraiment deux clientes, enfin deux consultantes, Mélanie et Claire, mais ce sera une réponse ponctuelle. Parce qu'il nous reste 5 minutes. Ah, d'accord. Alors, je vais prendre Mélanie, Claire. Vous m'en voulez pas? Mélanie, tu renvoies la vidéo?
S'il te plaît, voilà. Mélanie, si ça marche pas, on arrête avec les vidéos et on va les faire par écrit comme d'habitude. Alors, il faut appuyer sur les deux personnes en vert. Oui, mais tout à l'heure, ça a marché. Bon, je crois qu'on va arrêter les folies vidéo ce soir. Je t'écoute, Mélanie et Claire. Vous me mettez toutes les deux vos questions avec 5 nombres entre 1 et 22. Et je vais vous répondre par oui ou par non. Parce que là, il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. Mélanie, Claire, vous me formulez vos questions avec les dates de naissance. Et les nombres, s'il vous plaît. Alors, pour le moment, on a un blocage et une histoire claire qui remonte à déjà un certain temps. Et je sens que voilà, vous êtes seul depuis quand même un certain temps pour moi. Bon, il y a une rencontre. Ouais, pour moi, ça va nous amener jusqu'au. Alors, je vais être franc, hein, comme je suis toujours avec mes consultants le savent. Vous êtes divorcé, Claire, de cette personne, ou il y a eu un engagement important? Parce que je vois que ça a été quelque chose de vraiment important dans votre vie et dans la relation. C'est quelque chose qui a été quand même quelque chose de marquant pour vous. Cette relation qui s'est arrêtée depuis le mois de janvier, c'est exact? Vous êtes juste séparés, d'accord. Mais vous n'étiez pas mariés? Vous étiez marié ou pas à cette personne? Parce que oui, en voyance, ça peut ressortir. Ah ok, mais vous êtes séparés, mais c'est comme si vous étiez mariés, c'est pour ça. Parce qu'en voyance, ça ressort évidemment une relation, on va dire, libre, sans mariage, comme une relation mariée, si vous voulez. Oui, donc pour moi, j'ai quelque chose qui n'arrive pas malheureusement avant la fin de l'année, le début de l'année prochaine. On aura une rencontre avec quelqu'un qui est aussi, enfin, divorcé ou séparé. Moi, je pense que cet homme sera, en tout cas pour moi, divorcé. Et dans ce cas de figure-là, il y aura une construction. C'est quelqu'un qui voudra avancer vers quelque chose de constructif, de solide, et aller de l'avant. Donc oui, vous allez partir dans une relation bâtie, sérieuse, concrète, et qui va vous permettre vraiment de rebâtir votre vie. Il y a encore ce délai-là, parce que déjà, bon, ben, on ne fait pas une rencontre en claquant des doigts, et d'une. Mais il y a aussi le fait, si vous voulez, que... Je crois que vous avez encore besoin de temps, même s'il y a un désir de rencontre aujourd'hui, vous avez encore besoin peut-être certainement de ce temps-là pour pouvoir bah, tout simplement reconstruire quelque chose de totalement nouveau. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de totalement nouveau qui rentre dans votre vie. Et c'est sur, je pense, la période des fêtes, très honnêtement. Et là, vous allez avoir un vrai coup de cœur, et là, il y aura vraiment quelque chose qui va vous permettre de rebâtir votre vie. Je pense, alors pour la vie, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas pour la vie, mais sur du long terme, vous allez construire. Mais on en reparlera d'ici là. Je vous propose, Claire, qu'on refasse d'ici quelques temps une voyance, puisque moi, je vous annonce un truc pour au moins dans 6 mois, à peu près. Non, vous ne connaissez pas encore cette personne. Pour moi, tout ce qui pourrait être mis en place aujourd'hui ou des rencontres aujourd'hui, n'aboutirait pas à quelque chose de solide. S'il y a quelqu'un qui est rentré à moitié dans votre vie aujourd'hui, pour moi, ça ne durera pas. Je n'ai pas quelque chose qui marcherait sur du long terme. J'ai vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout aujourd'hui. Il n'y a pas de retour vers le passé, il n'y a pas de personne avec qui vous pourriez être en contact aujourd'hui. Ok? Voilà, Claire. Je vais être obligé malheureusement de stopper parce que la demi-heure est déjà passée, malheureusement. Ça passe méga vite comme d'habitude. Je vous invite à poser vos questions, non pas pour la semaine prochaine parce que je ne serai pas là, mais pour dans 15 jours, où bien évidemment je referai une session de voyance Facebook Live. Vous pouvez aussi tenter votre chance via mon site www.pur-medium.com, rubrique la question gratuite.
Dans ce cas, effectivement, on peut voilà, vous pourrez poser vos questions et tenter votre chance. Il y aura un tirage au sort comme chaque semaine qui vous permettra effectivement peut-être de gagner une voyance en vidéo qui sera postée sur mon site et sur la chaîne YouTube. Non, Mélanie, je ne t'ai pas oublié, mais comme c'est de la voyance gratuite, j'essaye de pouvoir prendre des gens nouveaux comme je l'ai fait. Et il est 30 et je travaille dans 30 minutes et malheureusement je suis obligé de couper parce que je vais prendre mes consultations privées dans 30 minutes et je dois m'organiser. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment dans l'ordre que j'ai pris les gens et j'espère que tu ne m'en veux pas. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Si vous souhaitez me consulter, ben, à partir de 20h, c'est sur mon site. Avec une promo, avec le code promo, si c'est la première fois que vous m'appelez, vous aurez moins 50% sur l'appel ou avec l'un de mes médiums. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et rendez-vous dans 15 jours. Alors n'oubliez pas, bah, par exemple comme Mélanie, parce que je ne peux pas répondre en live, sinon ça explose partout et je n'ai pas le temps, je ne peux faire qu'une demi-heure par semaine. Tentez votre chance sur le site et bah, j'espère que vous gagnerez. Je vous embrasse toutes et tous et bah, dans 15 jours. À bientôt. Ciao, ciao.